Bonjour à tous, mes amis du signe du Lion. Voici votre guidance pour, on va dire, l'année 2024 concernant. Donc, on y va pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Alors, pour les Lions, il y aura un lien cette année amical. On va prôner tout ce qui est amitié. On va prôner aussi l'amour qui va démarrer par l'amitié pour se concrétiser vers une relation durable et stable. Donc cette année, des liens vont se resserrer. Aussi bien, donc si vous êtes dans une... vous travaillez ensemble et qu'il y a un lien amical, ce lien amical se transformera en lien passionnel affectif, n'en doutez pas. De notre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça vous procurera la stabilité que vous souhaitez. Ce qui veut dire qu'il y a des lions qui peuvent être effectivement très famille. Maintenant, cette relation sera durable. Alors, donc pour les lions ascendant lion, vous prenez vraiment qu'est-ce qui est pour vous. Mais en attendant, il y a une relation qui va être durable. Alors, si vous êtes lion, ascendant lion, ou que vous avez des traits de caractère de ce signe-là, ça va booster cette année. Regardez bien, malgré, donc, entre vous, vous ne savez pas si la relation va effectivement se faire, de l'amitié vers l'amicale. Il y a peut-être certains lions qui sont en conflit avec eux-mêmes. Maintenant, n'hésitez pas. Les choses avancent pour vous. Parce que c'est karmique, hein. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus que ça. C'est karmique. On va regarder maintenant. Donc là, j'ai procédé avec l'oracle de l'œil de Lotus pour ceux qui s'y intéressent. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs concernant l'affectif. Et je vais regarder les 12 mois, puisque c'est un tirage annuel pour vous, Lion et ascendant Lion. Donc, le premier mois qui est terminé, c'était janvier, c'était tout ce qu'une réponse a donné. Donc là, il y avait une réponse soit de la personne avec laquelle vous étiez par rapport à une séparation, soit effectivement une décision qui a été attendue du tribunal pour la garde des enfants, une pension alimentaire, changement peut-être aussi du lieu, on va dire du travail ou changement de lieu, professionnel par rapport à la garde, parce qu'à un moment donné, ça a créé une instabilité sur ce mois donc de février. Donc, on va dire que peut-être vous n'êtes pas très content de la décision, mais attention, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, vous allez réussir malgré tout à vous équilibrer sur cette année 2024 millions. Voilà, donc si vous avez des doutes, ces doutes ne vont pas durer longtemps. Voilà, ça va être comme, voilà, c'est passager et voilà, quoi qu'on vous dise, donc sur le mois de mars, il y a une certaine discussion, des disputes forcément dans des, parce que vous êtes quand même un signe très familial, hein, on aime les petits, on se protège sur le cocon familial, donc on ne veut pas une autre personne, on ne veut pas être trompé, s'il y a une tierce personne, dame ou homme, hop, on sort les crocs et on sort les griffes. Donc on vous dit aussi, les lions, sur le mois de mars, attention à ne pas trop se goinfrer, d'accord? Sinon, ça va, à un moment donné, ça va pêcher. Donc, si vous, il faut se remettre peut-être en forme. Donc, si vous n'êtes pas adepte du sport, attention, ce mois de mars va être un mois un peu, voilà, c'est le printemps, voilà, on veut sortir un peu, il fait peut-être beau là où vous êtes, voilà. Donc, on va se protéger. Le mois d'avril est un mois de protection, votre relation sera protégez parce que vous allez avoir des amis qui vont vous appuyer. Il y a des amis qui vont vous monter, comment dire, dans l'énergie. Voilà, on va vous monter, comment on veut dire, en énergie. Voilà, ils vont vous booster. Vous voyez, il y a la loi là. Donc, c'est vrai que cette année aussi, sur le mois de mai, il y a tout ce qui est loi. La loi, ça va être quoi? Si on est dans le travail, ça peut être une rupture conventionnelle ou un licenciement. Mais aussi, si ça peut être dans le couple, la loi vient équilibrer votre relation. Il peut y avoir un pax, il peut y avoir un mariage avec une séparation de biens. En tout cas, la loi intervient. Avocat, notaire, huissier,
aussi les lions, vu que vous êtes dans la protection, peut-être vous allez passer un concours de la fonction publique, dans la sécurité. Voilà, il y a quand même des choses très agréables. Et le mois de juin, on décide de partir en voyage, on décide de déménager. Peut-être qu'il y a une prise de distance. Alors pour certains lions, peut-être qu'il y a un jugement d'éloignement de l'autre, parce que vous avez été harcelé, parce que vous avez été battu, etc. Il y aura un jugement qui va vous écarter de l'autre. Attention, on est là dans la protection. Mars, avril et mai, ce sont des mois où vous allez être donc bien encadré pour certains lions. De notre côté, le temps entendu, le mois de juillet, qui vous amène donc, regardez bien, c'est le miroir magique. Donc, ce qui signifie, c'est l'attirance de l'autre. On va trouver, ça va se matcher, on va trouver la personne qui va vous convenir, surtout les pions, le magnétisme, l'astral, le karma, la bonne entente. On a des atomes crochus, que ça soit sur le plan physique, le plan aussi psychologique, le plan sur les enfants, tout va aller bien pour vous. Regardez, le mois d'août vous amène donc la réussite et donc on va se dire, mais finalement on a plein de points communs ensemble, on ne peut qu'aller bien ensemble. Voilà. Donc cette vidéo est faite aussi sur TikTok en live, donc pour ceux qui me suivent, je vous annonce bonjour, je répondrai à tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je fais là le tirage du lion pour ceux qui viennent me rejoindre pour l'année en cours. N'hésitez pas, monsieur, à vous abonner, etc. Enfin, bon, ceux qui veulent, bien sûr. Merci pour les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai mis du rouge, hein, c'est le mois quand même de Saint-Valentin, donc voilà. Donc, on dit qu'effectivement, si vous passez un permis de conduire, si vous passez un concours administratif, si vous cherchez du travail, si vous avez un entretien, bam, ça fonctionne. Le mois de septembre, l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est quoi? Effectivement, pour certains lions, un héritage en vue de l'argent qui est donné par la famille, aux enfants ou aux petits-enfants. On dit que le passé aussi peut revenir de la famille et le passé peut vous dire « Ouais, t'as pas fait ci, tatati, tatata. » Vous en avez cas, vous êtes dans votre réussite, vous n'avez rien à vous reprocher cette année parce que vous avez la force. Le mois d'octobre, regardez bien ça, l'amour est là. Donc regardez bien, l'amour est là, l'homme. Alors si vous êtes homme lion, vous avez la femme qui vient vers vous. Si vous êtes madame lion, vous avez l'homme qui arrive. Voilà, et je rebondis sur l'hérédité. L'héritage de l'argent vient d'un homme, donc un grand-père ou un oncle. Voilà. Sur le mois maintenant de novembre, on concrétise, donc, alors peut-être devant le notaire, les papiers pour un héritage ou un don manuel, etc. Mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi, il y a un pax, il y a quelque chose à signer devant l'homme de loi. Et on dit qu'il y a du travail, là. Voilà. Et le mois de décembre, on trouve un terrain d'entente, on se concilie. Donc, peut-être il y a des lions qui sont dans une négociation, qui essaient de concilier, si vous avez des soucis, effectivement, d'argent avec la famille, on trouve quand même des terrains d'entente avec eux. Je vais passer maintenant à mon oracle. Non, celui-là, je l'ai fait. Ah, non, il y en a un que j'aime bien. Vous me direz si vous l'aimez aussi. C'est les anges de l'amour. Celui-là, il est très connu. On va regarder qu'est-ce qu'il en est. Allez. Hop. Qu'est-ce qui va vous guider, les lions? Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Je vous l'ai dit que c'était une année où ça va être... Hein, ça va être hein, comme ça. C'est... Regardez. On tire une flèche dans votre cœur. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Et ne gardez pas confiance en vous. Vous êtes des gens super, les lions. Ma belle-mère est lion. Alors, ensuite, là, on parle de séparation. Attention, la séparation, ça ne veut pas dire on se casse. Non, ce n'est pas ça du tout. La séparation, c'est que peut-être vous êtes éloigné de l'amour de votre vie. Et ça, vous ne le supportez pas. Vous avez peur, etc. Manquez des fois un petit peu de confiance en vous. Donc, vous êtes
Donc là, peut-être pour les lions, il y a la personne risque de partir dans l'année parce que peut-être elle est militaire, peut-être qu'elle travaille, elle est commerciale, peut-être qu'elle est routière, etc. Mais ce n'est que momentané. Bonjour Franck qui est Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur mon live. Voilà. Et comme je vous ai dit aussi, regardez bien, traitez les problèmes familiaux. Donc cette année, on va être dans, y a peut-être le pardon qu'on doit faire envers les parents, les enfants, etc. En tout état de cause, vu que vous avez la force, vous aurez aussi cette réussite. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les amis sont là pour vous monter vers le haut. Allez, restez, regardez, je veux dire, je peux pas dire, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je ne peux pas dire mieux. Vous avez une année, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous, mes millions. C'est un truc incroyable. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce que j'ai avec le fameux trial. Regardez comme il est vieux là. Un jour, je vais balancer une cagnotte. Mais bon, c'est le meilleur que j'ai depuis 30 ans. Je sais, je ne les fais pas. Allez, on y va. Alors, message d'une personne peut-être d'origine étrangère pour les lions, une écoute attentive dans le couple. Donc là, il y a des messages interposés qui vont vous arriver d'une personne qui est à l'étranger ou qui compte partir à l'étranger. Comme je vous l'avais dit là, il y a une personne de votre amour qui risque de partir à l'étranger ou qui vit dans un pays, mais ça va rentrer. Proposition de travail aussi à l'étranger pour certains lions. On se déplace beaucoup et vous êtes avec une relation d'une personne qui est dans une relation étrangère, personne d'origine étrangère. Qu'est-ce que j'ai aussi? Regardez, on parle d'un homme. Hein. Donc c'est bien un homme hein, qui pour moi est engagé ou le côté militaire ou c'est un homme qui par sa profession est obligé de s'exporter à l'étranger. Il y a un coup de foudre hein, sur cette relation. Hein. Et donc, ça crée du conflit en vous parce que comme vous l'aimez, nanan, vous avez tendance à vous énerver pour rien, ça vous tracasse. Bonjour le Marseillais. Eh bien, c'est bien, on est dans le sud tous les deux. Tous les deux. D'ailleurs, ça doit se reconnaître avec mon accent. Voilà. Donc, forcément, vous devez prendre dessus. Donc, le fameux sacrifice, hein, vous devez prendre un peu dessus. Mais vous n'inquiétez pas, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas. Non, on va pour le boulot. Arrêtez de. Hein, il faut arrêter, on va pour le travail. Alors ça, c'était, voilà. Arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc la personne qui s'en va est un militaire. En tout cas, on porte un costume. Donc militaire, peut-être commercial, peut-être pilote aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte un habit, un uniforme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, c'est une personne qui travaille pour la fonction publique. Donc, c'est bien ce que je dis, il y a quand même le secteur de la sécurité, donc peut-être même policiers ou gendarmes, etc. Donc là, on a la protection sur la relation. On dit que c'est une relation qui est fidèle et on est à votre écoute. On dit aussi, attention, que il y a certains lions où il y a une relation qui est cachée. Fait enfin, cachée, on ne dit pas ça. On dit qu'on est dans les faux semblants. Donc, ça veut dire que vous pouvez être très bien dans une relation où vous n'êtes pas bien, mais vis-à-vis de la famille et des enfants, vous faites bonne figure. Non, non, tout va bien, j'ai pas de problème. Attention. Voilà. Donc, voyez, la personne. Alors, la personne peut travailler dans l'énergie. Alors, l'énergie, c'est EDF, c'est Engie, le téléphone, etc. Et peut travailler à l'étranger pour une grosse société aussi. On dit que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui ne se consacre pas trop à la relation avec vous. Mais rassurez-vous. D'accord? Alors, je ne comprends pas quand quelqu'un me dit meuf fellation. Super. Grande classe. Alors déjà, écrire mieux parce que je ne comprends pas. Chris Mahé est aussi Capricorne. Capricorne. Alors, j'ai fait le tirage déjà du Capricorne pour l'année 2024 et il est donc déjà sur mon YouTube depuis un bon moment. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est de nouveau la loi. Et comme, regardez, il y a marqué arme, c'est une profession où on doit
effectivement se protéger. Il y a de la colère hein, quand même hein, pour certains. Donc 2, 4, 6, 8, il en manque une. Voilà, 12. Bon, il y a le retour, de toute façon ça revient et la relation redémarre. Donc, je vous dirais, Lion, il faut, donc pour certains, l'amour est sanctifié. L'amour va se stabiliser, d'accord? Donc, il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Voilà. Donc, comment je vais dire ça? Si vous avez des questions, allez-y, je suis en live et je dis au revoir à ceux qui sont sur mon YouTube. Donc le tirage pour le Lion et ascendant Lion est terminé pour YouTube, mais je continue sur mon live TikTok pour répondre à vos questions. À très bientôt pour le mois donc de février à Lion. À bientôt.